Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de retourner un peu sur la pente du développement personnel et j'ai envie d'attaquer cette vidéo par un thème qui me tient particulièrement à cœur. C'est 6 étapes pour vous construire de bonnes habitudes cette année. C'est parti! Tout d'abord, si vous n'avez jamais vu ma petite tête, je vous invite fortement à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la petite cloche, ça me fait extrêmement plaisir, comme à chaque fois. Et je tiens à spécifier, avant de commencer cette vidéo, qu'est-ce que la nouvelle année? Alors, je ne sais pas pour vous, je pense que ça dépend de chaque personne, mais pour ma part, je vis 3 nouvelles années dans une année. Je vous explique. Je suis née en juillet. En juillet, pour moi, c'est le début d'une nouvelle année. Tous les 12 juillet, rappelez-vous la date, s'il vous plaît, merci, c'est un renouveau pour moi, c'est un nouveau cycle du soleil et j'aime faire le point, j'aime me dire, enfin regarder surtout où je vais, comment je veux y aller, etc. Deuxième nouvelle année, le 1er septembre. Comme toute bonne enfant qui se respecte, pour moi je ne compte pas une année du 1er janvier au 31 décembre, mais du 1er septembre au 31 août, bien sûr. J'ai quand même une troisième nouvelle année qui est le 1er janvier, un peu comme à peu près tous les humains normaux. Bon, bref, tout ça pour dire qu'en fait une année c'est juste un concept social inventé. Vous pouvez commencer une nouvelle année quand vous le souhaitez, c'est votre règle et je suis partisante, pour rappel, de cette bonne vieille option de commencer une bonne habitude à n'importe quel moment. Le meilleur moment, c'est hier en fait, tout simplement. Donc l'idée, c'est que vu que vous êtes déjà en retard, c'est de commencer aujourd'hui. Voilà. Bref, maintenant que ce petit point est délucider, on va pouvoir commencer la vidéo à proprement parler. Faut savoir que vos habitudes définissent qui vous êtes et votre réussite. Si vous adoptez de bonnes habitudes tous les jours, vous allez tous les jours vous rapprocher un petit peu plus de la vie que vous souhaitez et de vos rêves. Et sur un terme tout à fait mélodramatique, si tous les jours vous adoptez de mauvaises habitudes, votre vie va être complètement gâchée et l'année prochaine, 365/66 jours plus tard, vous serez exactement au même endroit. C'est un peu mélodramatique, mais pour autant c'est la vérité en fait. Combien de fois vous êtes dit cette année, je fais ci, je fais ça, j'arrête de faire ci, j'arrête de faire ça, et l'année d'après vous retrouvez exactement au même endroit et vous avez fait exactement la même chose, rien n'a changé. Je vais faire un petit aparté sur cette vidéo parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est que la plupart des gens sur Terre estiment que la chose qui a le plus de valeur, c'est l'argent. Moi la première, hein, je vais pas mentir, que l'argent ça aide à faire beaucoup de choses, mais je vois déjà ceux qui vont me dire mais non non non, moi c'est la famille, moi c'est mon copain, ma copine, moi c'est mon job. Non 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 non, t'es complètement à côté de tes pompes, je te le dis tout de suite. La chose qui a le plus de valeur au monde, c'est quelque chose que tu ne récupéreras jamais. Ton copain, ta copine, il ou elle te quitte, t'en retrouveras un autre, t'inquiète pas. Tu perds ton job, t'en retrouveras un autre, t'inquiète pas. L'argent, vous n'en avez plus, c'est pas grave, ça va revenir, vous inquiétez pas. Par contre, il y a une chose qui a la même valeur pour tout le monde et ce qui le rend aussi important, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la valeur que ça a, c'est le temps. Parce que là, tu m'écoutes et toutes les secondes qui sont passées, tu les récupéreras jamais. Jamais de ta vie, tu ne récupéreras ce temps. Donc, garde bien ça en tête. Qui que tu sois, où que tu sois, sur la terre, dans le monde, dans l'espace, on s'en fout. C'est le temps. C'est la chose qui a le plus de valeur. Donc, il faut vraiment que tu te dises que chaque seconde... Et je sais que c'est facile à dire. Je sais que quand on y est, on n'a pas particulièrement envie. Et je jette pas la pierre. Hein. C'est un message de moi à moi-même aussi. Et pour autant, même si tu te rends compte de la valeur du temps, c'est pas pour autant que c'est facile tous les jours d'optimiser son temps, de faire tout parfaitement, etc. Il y a des jours où j'ai envie de me poser devant Netflix et rien foutre de ma vie, et voilà, et ça arrive et tout ça, mais il faut prendre conscience de ça. Tout ça pour dire, t'as 365 jours dans l'année, ça en fait du temps et ça te laisse pas mal de temps pour faire pas mal de changements, donc profite-en. Bref, petite parenthèse fermée. On revient à l'idée de la vidéo et d'ailleurs, si tu fais partie de ceux qui, il y a exactement un an au moment où tu regardes cette vidéo, vous étiez complètement à l'opposé et vous avez vraiment avancé dans votre vie, tant mieux, continuez comme ça. Pour autant, ça reste intéressant à écouter comme vidéo. Mais il faut bien prendre conscience de quelque chose, c'est que tout part de vos habitudes. En intégrant tous les jours de petites choses, vous allez pouvoir créer à la fin de grandes choses. Un mur, ça sort pas comme ça de nulle part. C'est une brique après une autre, après une autre, après une autre, après une autre, après une autre. C'est comme ça que ça se construit, c'est comme ça que tout se construit. Donc oui, c'est pour ça que je vous saoule tout le temps avec le fait d'avoir de bonnes habitudes, c'est qu'il y a une raison. Bref, revenons-en à nos 6 choses à faire pour avoir une année extraordinaire. Première grosse chose, identifier
votre habitude principale. Ça sert à rien de commencer l'année, ou en tout cas une journée, en se disant aujourd'hui je vais faire non, on laisse tomber. On se dit aujourd'hui il y a une chose que je veux faire. Quelle est cette chose? Quelle est cette bonne habitude que je veux faire? Et cette chose, c'est votre priorité. Elle passe devant tout. Si là aujourd'hui votre objectif principal c'est de trouver un job, par exemple, votre bonne habitude du jour, ça va être d'envoyer 10 candidatures. Si votre job c'est de perdre du poids que vous avez accumulé au fur et à mesure des années, votre bonne habitude c'est d'aller faire votre séance de sport. Si votre but ultime c'est de trouver un copain ou une copine, votre job d'aujourd'hui ça va aller être de parler à des inconnus dans la rue, ou vous inscrire sur une application de rencontre, on s'en fout. Mais bref, vous devez avoir une bonne habitude principale. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que chaque mois, on va insérer une nouvelle habitude. Donc au cas où vous cherchez un job, vous pouvez vous dire ce mois-ci, et attention, quand je dis le mois, ça commence pas particulièrement le premier, parce que vous commencez le 8 du mois, ça va très bien aussi. Hein. Les mois, ils peuvent aller du 8 au 8, c'est bon. Hein. Dès d'un mois, c'est un bloc de temps. Bref, vous pouvez vous dire, ce mois-ci, j'envoie 10 candidatures par jour, ça sera votre bonne habitude. Le mois suivant, je le souhaite, vous allez trouver un job, tant mieux, vous pouvez remplacer cette bonne habitude. Si jamais vous n'avez toujours pas trouvé, vous pouvez ajouter une nouvelle habitude en fait. Tout simplement. Et en fait, plutôt que de commencer janvier ou septembre ou le 13 juillet, hein, en l'occurrence pour moi ou n'importe qui d'autre, si vous êtes né le 25 octobre, commencez le 26 octobre, par exemple, au lieu de commencer avec 40 habitudes que finalement vous avez toutes lâchées, chaque mois, vous commencez avec une autre habitude. Donc je vais reprendre le cas des jobs. Vous souhaitez trouver un job, vous souhaitez également, dans l'idéal, perdre un petit peu de poids, vous souhaitez également trouver l'amour de votre vie, ok. Premier mois, on va envoyer 10 candidatures par jour, c'est l'objectif principal. Au fur et à mesure de faire ça tous les jours, ça va devenir une habitude. Le principe d'une habitude, ça demande un peu de travail pour s'implémenter, mais après, une fois qu'elle est intégrée, c'est bon, tout roule tranquille. Deuxième mois, on va, pour simplifier, dire le 1er février, hein, mais vous avez compris l'idée, ça pourrait être très bien le 8 février si vous faites du 8 au 8. Le 1er février, ok, je vais aller marcher une heure par jour dehors pour améliorer un peu mon cardio et améliorer ma dépense calorique. Super, ok, vous l'intégrez. De toute façon, les candidatures, vous avez eu l'habitude, j'espère, entre temps vous avez trouvé un job, mais bon bref, vous faites ça. Troisième mois, 1er mars, vous voulez trouver l'amour de votre vie. Ok, je vais faire une heure de marche à pied tous les jours. Pendant cette heure-là, je veux parler au moins à un ou une inconnue. Et voilà, et c'est ça en fait le principe des habitudes, c'est que une habitude principale par mois, pas plus, pas moins, il faut vous laisser du temps à l'intégrer en fait tout simplement dans votre routine quotidienne. Ce qui tout ça était le point 2, l'intégrer dans une routine quotidienne, bref, vous avez compris. Numéro 3, créer un déclencheur. Alors une fois que vous avez choisi votre habitude, on va utiliser la méthode de l'empilement pour créer un déclencheur. Je vous explique. Cette méthode consiste à intégrer votre nouvelle habitude avant ou après une mauvaise habitude, avant ou après une vieille habitude. Votre ancienne habitude sera alors votre nouveau déclencheur. Par exemple, supposons que votre nouvelle habitude c'est de lire 30 minutes par jour. Vous pouvez utiliser le déclencheur qui est par exemple le fait de vous brosser les dents tous les soirs. Vous vous dites ok, je me brosse les dents et après je vais lire pendant 30 minutes. En fait c'est vraiment d'utiliser quelque chose que vous faites déjà pour incorporer une autre habitude. Par exemple pour le sport, en prenant l'exemple que je vous ai donné un petit peu plus tôt, c'est de perdre quelques kilos mettons, et vous dites ok, je vais aller marcher une heure dehors tous les jours. Qu'est-ce qui se passe si vous dites simplement je vais marcher une heure tous les jours? Vous allez rentrer du taf, vous allez être crevé, vous allez vous mettre dans le canapé et il va rien se passer. Voilà, c'est ça. Tout simplement, c'est comme tout le monde, il n'y a pas, vous n'êtes pas une mauvaise personne, c'est l'être humain qui est fainéant, c'est une manière générale de faire. Qu'est-ce qui se passe par contre si vous vous dites je me lève et je vais marcher, je vais me réveiller dehors en marchant. Si vous avez pour habitude de prendre votre petit déjeuner, j'en sais rien moi, qui sont des tartines, quelque chose mettons de très facile à manger, pourquoi pas le prendre en marchant dehors, et vous faites votre heure de marche dehors, vous vous réveillez, vous allez marcher. C'est ça en fait, incorporer une nouvelle habitude après ou avant une ancienne habitude, c'est tout à fait faisable et ça vous permet en fait de ne plus avoir d'excuses. Il faut la placer, cette bonne habitude, dans votre journée. C'est bien de trouver ce que vous allez faire, mais il faut savoir combien de temps vous allez le faire et quand vous allez le faire, sinon elle se placera jamais dans votre journée. Numéro 4, quelle sera votre récompense une fois que vous aurez fait cette heure de marche? Il faut une récompense. Vous pouvez vous dire par exemple, si j'arrive à faire pendant 7 jours une heure de marche tous les matins à telle heure comme prévu, eh ben j'ai le droit de m'offrir un massage, quelque chose comme ça. Alors on évite, hein, si votre idée c'est de perdre
perdre du poids, en effet d'aller se péter un bon burger, c'est pas ouf. Pareil, si votre objectif c'est d'arrêter de fumer, on évite de s'enquiller deux paquets de clopes pour rester cohérent. Mais mettez-vous des récompenses. Si j'arrive à faire ci, si j'arrive à faire ça. Et les récompenses, il faut qu'elles soient mises avant et surtout pas adaptées en fonction. Ouais, mais non, il n'y a pas de mais. Vous l'avez fait, c'est bon. Vous l'avez pas fait, c'est pas bon. Point barre, on s'arrête là. En tout cas, sachez que ces récompenses, c'est une super technique pour vous récompenser. Ça vous motive, c'est de l'auto-gratification. Ça marche très très bien. Numéro 5, mesurer. Si vous voulez perdre du poids, quelle est la première chose que vous allez faire ? Vous pesez, bien sûr tout le monde le fait, ne mentez pas. C'est bien en fait, même si on vous dit qu'il y a un côté malsain au fait de se peser, c'est sûr, parce qu'en fait la pesée ne veut pas dire grand chose, mais le principe de se peser pour avoir des chiffres est une très bonne manière de faire. Il faut pouvoir mesurer vos progrès pour les évaluer. Sinon, comment voulez-vous savoir si vous avancez ou vous reculez? Pareil, vous l'arrêtez de fumer, combien de clopes avez-vous fumé? 1, 2, 0, vous mesurez en fait, c'est des chiffres. Pour avancer dans la vie, il vous faut des chiffres, et pas dire je veux lire plus. Lire plus de quoi, de quand, de comment, où, qu'est-ce, qui suis-je? Non, il n'y a pas, ça marche pas. Il vous faut des chiffres. Vous voulez perdre du poids? Alors je vous dis d'éviter la balance parce que ça peut vite rendre fou. Mesurez-vous par contre, vous pouvez prendre un mètre couturière, ça passe très bien. Vous mesurez si vous voulez aller marcher ou courir, mettons, vous voulez commencer à courir. Pour améliorer votre cardio, on oublie la perte de poids qui est un peu cliché à la nouvelle année. Mais vous voulez commencer à courir, certes vous décidez d'aller courir 20 minutes par jour, tous les jours. Mesurez, vous voulez faire pouvoir réussir à faire 10 km, mesurez le nombre de kilomètres que vous faites par semaine. Vous achetez une petite montre qui mesure tout ça, c'est super. Mais il faut mesurer pour pouvoir évaluer si vous avancez ou vous reculez. Et le gros avantage aussi de mesurer, c'est que si un jour vous avez un jour un peu down, comme tout le monde, hein, y a pas de secret, on a tous des jours up et des jours down, c'est que vous allez pouvoir voir tout ce que vous avez déjà fait et vous allez voir à quel point vous avancez un peu plus vers votre objectif. Si mettons vous voulez être écrivain, vous voulez écrire un livre et vous vous dites tous les jours je veux écrire pendant 30 minutes à avancer, et un jour vous n'avez pas d'idée, vous vous mettez devant et impossible. Bon, ça arrive, je suis pas écrivain mais je suppose que ça arrive. Mais en fait vous regarderez tout ce que vous aurez fait. Et 30 minutes plus 30 minutes plus 30 minutes plus 30 minutes plus 30 minutes, ça fait énormément de minutes, ça fait énormément de contenu et c'est très productif et ça vous rapprochera toujours un petit peu plus de votre objectif. Et je vais arriver sur ce dernier point qui est tout le pouvoir des bonnes habitudes. Comme je vous disais, le fait de s'insérer une bonne habitude par mois, ça peut paraître extrêmement lent parce qu'on a envie de changer. Ben, en tout cas moi, tous les nouvel an, j'en ai 3 par an, tous mes nouvel an, j'ai envie de refusionner ma vie, de tout refaire, etc. Et en fait, pendant des années, j'ai fait un peu comme tout le monde en me disant ok, je vais changer ça et ça et ça et ça et ça. Et finalement, en voulant changer trop de choses, il n'y a pas grand chose qui change. J'ai changé beaucoup plus de choses dans ma vie en changeant une chose à la fois qu'en en changeant 40. Et sincèrement, c'est quelque chose que je vous conseille si vous souhaitez avancer dans votre vie à vous. C'est un peu cliché, mais je vais juste vous rappeler l'histoire du livre et de la tortue. Ça sert à rien de courir si après c'est pour vous reposer sous un arbre, faire une petite sieste et puis en fait vous faire dépasser par les autres qui auront été lents, certes, mais productif, répétitif. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est préférer être la petite tortue qui est lente, certes, mais qui est répétitive, un pas après l'autre, sans se poser de questions, qu'un lièvre qui court et puis en fait qui s'assied parce qu'il est crevé. Et garder une autre chose en tête, c'est qu'on a toujours quelque chose à améliorer dans notre vie, donc il y a de quoi faire je pense, et puis même en regardant cette vidéo je pense que vous avez une idée de ce que vous pourriez améliorer. Donc gardez ça en tête, faites-vous des plans. Et vous pouvez faire un mois après l'autre, vous pouvez voir un mois, 2 mois, ça sert à rien de faire un plan à un an parce que vous allez changer mentalement, physiquement, psychologiquement, votre environnement va changer parce que tout change, tout est en mouvement permanent. Mais vous pouvez dire, ok, pour cette année, je me mets un premier objectif qui est TAM, point barre, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous découpez. Premier mois, je veux ça. Qu'est-ce que je fais au quotidien qui fait que je vais un peu plus me rapprocher de cet objectif? Point barre. Quand est-ce que je le place dans ma journée? Avant ci, après ça, peu importe. Comment je peux le mesurer? Et voilà. Et puis pour le deuxième mois, on verra plus tard, on verra quand on y sera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé en toute sincérité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la petite cloche, ça me fait toujours autant plaisir. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça me touche énormément. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!